Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve après une petite absence pour faire un pudding de pain rassis. C'est parti! Pour la recette, il faut 300 g de pain rassis. Bon, moi j'ai pris tout ce qui me restait. 500 ml de lait, un sachet de sucre vanillé et 70 g de sucre semoule, 2 œufs. Je vais mettre un peu de raisin sec. Pour commencer, on émiette notre pain rassis. C'est vraiment très dur. Ça a vraiment mis beaucoup de temps avec moi. Entre-temps, on chauffe les 500 ml de lait. Une fois le lait chaud, on renverse sur notre pain rassis pour ramollir le pain. On laisse reposer environ 10 minutes. Entre-temps, on casse nos 2 œufs pour faire une omelette. Voilà, nos pains ont reposé, j'ai déjà bien écrasé. Ensuite, je vais venir rajouter les 2 œufs battus, ainsi que les 70 g de sucre, ainsi que le sachet de sucre vanillé. On mélange le tout pour avoir une pâte bien homogène. Et là, on rajoute les raisins secs. Et mais si vous n'avez pas de raisins, c'est pas grave. J'ai rajouté une cuillère à soupe d'huile également. Ensuite, on récupère un moule déjà beurré et fariné. On renverse notre pâte. Et si tu es nouveau sur ma chaîne, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Là, c'est bon, on enfourne pendant 30 minutes à 180 degrés. 30 minutes plus tard, voici le résultat final. Voilà, je pense qu'avec cette recette, vous allez dire non au gaspillage. C'est très bon au goûter avec un verre de lait et on est calé. Voilà, c'est tout pour la recette. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.